Maïs, le beau Maz, Maz explorateur. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec Brelinda. Brelinda qui nous accompagne. Brelinda, notre âme sœur. Pour pouvoir du coup rejoindre un lieu de mission, un lieu de quête qui est un petit peu loin. Là, on s'en a fait un petit arrêt dans cette auberge et on doit se rendre ici pour trouver les écrits de Chalidor. Donc, on va traverser une bonne partie de bord de ciel. Ça va un petit peu lagouiller par là. Hein, la forêt a l'air dense. Je pense que c'est un peu lié à ça. Donc, on va passer au nord de Blanche Rive. On s'y arrêtera pas. On ira dans ce coin-là beaucoup plus tard. Là, on va essayer de passer par cette petite route-là qui nous mène au nord, donc il nous faudrait qu'on rejoigne la route en poursuivant par là. Voilà. Merde. Non. Ah, tant pis, bon, on peut repiquer par là, c'est pas bien grave. Voilà. L'objectif étant, c'est de reprendre la route qui se trouve au nord. Donc si le cheval pouvait faire son taf, c'est-à-dire être et avoir de super pouvoirs. Incroyable les chevaux dans Skyrim. Un tertre ici, nous allons le découvrir. Ah hein, un loup. Nous allons l'affamer. Toi, Périn. Voilà, on prend tout. Il est où mon cheval? Il est où mon cheval? Suivons les traces. Là, c'est d'où je viens. Mais il est parti où mon cheval? Nous sommes un très mauvais pisteur. Le cheval cataclope, cataclope, cataclope. Non, pour de bon, il est où le cheval? Aïe, tu. Ouais! Voilà. Allez, voyons un petit peu ce tertre. Ça fait plaisir un petit peu d'exploration. Repère de brise argent. Ils ont l'air plutôt inamicaux. J'adore. Bah pourquoi je peux pas lancer le... Ah, parce que oui, c'est vrai qu'on... Et vous avez vu comment j'ai bugué devant lui. En fait, c'est pas... J'ai lancé mon sort, j'ai essayé de le lancer. Mais étant donné que je ne suis que novice en la matière de la magie, ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné. Je me suis retrouvé bouche bée devant un mec avec une arme qu'il avait déjà dégainé, parce qu'il m'avait vu venir, il avait déjà dégainé son arme, hein, avec une hache d'arme énorme. Autant vous dire que je me suis fait trancher en deux. On va réessayer, mais de plus loin. Car Maz, oui Maz, aïe, je suis. On peut pas passer un petit niveau là? Oui. Ok, on va passer un petit niveau, ça va faire du bien. On a dit qu'on montait la magie à 200 avant toute chose. Ou on reste à 195. Ça reste un mystère, ce n'est pas grave. Très bien. L'armure impériale légère. On la passe, là, on va la prendre. On fait une fourrure de garde, on les a pas non plus. Je suis un gros collectionneur hein, dans Skyrim. J'aime bien. Quand on aura notre baraque, on essaiera de se trouver quelque chose de... Putain, là. Ah, elle est vénère. On essaiera de se trouver quelque chose de cosy et un endroit, bien sûr, où on pourra tout exposer. Auprès de Brise Argent, bah, je suis content de l'avoir découvert. Toutefois, ça va faire partie d'une quête. On va pas s'en préoccuper. On fera ça en temps voulu. Parce qu'un tertre, ça reste quand même une grosse épopée. Un petit donjon, ça va. Et je prends du dégât de poison hein, depuis tout à l'heure. C'est l'autre avec son arc, je crois. Voilà, et si on suit cette route et qu'on s'en écarte pas trop, logiquement, on devrait arriver sans trop de problèmes. On apprécie, hein.
Pierre de Waynon. Spectre de glace. Aïe. Ah, mais ils m'ont carrément congelé. Oh là là. Face contre le rocher. J'ai sauvegardé où, moi? Ok. Ça va. D'accord, oui, on a deux gros spectres de glace assez vénères. La foudre, on en avait croisé des spectres de glace, on s'était fait fumer à un moment donné. Je crois que c'était au tout début de l'aventure, j'étais en off, je m'étais fait défracter. Et après, on en avait recroisé et la foudre s'était passée, il me semble. T'es pas convaincu de la foudre, mais je fais mal avec la foudre. Est-ce que j'ai d'autres sorts qui iraient un peu mieux contre la glace? Non, j'ai vraiment que étincelle en sort de destruction, il faudrait vraiment... Qu'un jour on se penche sur ce qu'on peut apprendre. D'ailleurs, on a deux bouquins ou deux ou trois bouquins de livres de sorts à apprendre, il me semble. Où ils sont? Je l'entends. Ah, ils apparaissent après. Ah, ça lui fait rien du tout. Hein. Et ils sont deux. Ils sont deux. Changement de plan. Allez, Jezargo. On va juste leur foutre un petit coup de bouclier aussi. Ça, c'est bien. Oh non. Je suis mort instant. Ils font très mal. En fait, le problème, c'est que je prends énormément de dégâts. Je fais mal. Je fais mal. Bon, en l'occurrence, la foudre sur de la glace, ça marche pas de ouf. J'arrive à faire mal. Mais... Bon, j'espère qu'il va marcher son truc. On va essayer ça en premier. Ouais, ça marche très bien. Je fais mal, mais par contre, je prends cher. Je prends cher. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'un peu plus efficace? Bon, moi, là, on va pas forcément y aller à la magie. Hein. On va y aller à la masse. Avec une aura de feu, ça devrait bien se passer. Alors, j'ai pas bien compris. J'ai marché sur quoi, là? J'ai l'impression que j'ai marché sur spectre de glace. Il m'a mordu le pied. Bon. On a dit bouclier et on a dit masse. On va y aller un peu plus mollo. On sauvegarde. C'est incroyable les dégâts qu'ils font. C'est juste pas normal du tout. Au pire des cas. Au pire des cas, ce qu'on va faire, c'est ne pas les affronter. J'aimerais hein, épuiser un nombre incommensurable de stratégies pour les vaincre. Le problème étant que je n'ai pas le niveau. Je n'ai absolument pas le niveau. On va attendre ici une heure. Voilà. On va essayer de découvrir le lieu quand même. J'entends mon cheval gueuler, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh! Une grosse araignée! Elle a fumé mon cheval? Non! Saloperie! Elle a fumé mon cheval! Elle vient littéralement de me fumer 1000 balles! Non! Ouais, double cast, il fait le taf quand même. Sans rire. Bon bah. Hein. À pied. À pied. À pied. Nous allons continuer à pied. On est bientôt arrivé. Non. On peut peut-être découvrir Aube Étoile et acheter un cheval à Aube Étoile. Hein. Pas ce que vous en pensez. Mais je pense que.
pourrait être pas mal niveau gain de temps en fait. On va voir, on va aviser. Allez, en petite foulée. Ouais, je suis très vite fatigué. Je me débrouille toujours pour avoir une flèche dans la tronche, hein. C'est incroyable. Il est beau ce modpack quand même. Ça mène où là? Ça mène à droit une mort, vers une mort certaine. C'est la route qui mène à Aubétoile. Là, on a des grosses montagnes à passer. En fait, pour aller dans cet endroit, il faudrait rejoindre un peu les prairies. Je vais trop au nord là. Je pense que c'est mieux de passer par ici. Parce que du coup, cet endroit, c'est comment? Ça a l'air plus... l'accès a l'air plus de ce côté-là. Hein. Parce que vous en pensez, là, on peut pas passer. Mais on peut passer par cette petite forêt et remonter. Je ne pense pas que l'accès se fasse... comment on tourne la carte? On ne peut pas la tourner. Je ne pense pas que l'accès se fasse par là. On peut essayer. Écoutez, il faudra qu'on est sur la route. On va essayer de suivre la route. Jusqu'à là. Au pire des cas, ça nous fait découvrir la map. Mave. Mave Bellicide. On s'attaque à un fort? Est-ce que vous pensez qu'on peut prétendre s'attaquer au fort d'Unstad? Ami? Pas ami. La portée de ma foudre est trop faible. On va prendre de la hauteur un petit peu. En tout cas, les mecs ont décidé de nous fumer. Ah, une flèche dans la tête, une de plus. Ça ne me fait rien. Pas passé loin celle-là. Ouh, mais elle m'a fait mal. Elle me... Ouh. J'ai eu très chaud. Oh, elle m'a achevé. S'attaquer à un fort, c'est très prétentieux. Pour aucune raison, en plus, bon. Cette exploration ne se passe pas du tout comme prévu. Cela dit, ce dragon est magnifique. On va couper, Brelinda. Le mec prend une décision, on va couper par là. Il n'arrive pas à sauter du truc. Et on va passer par les montagnes. Thorif. Thorif. Et lapin, lapin solide. On fait pas souffrir les animaux. Voilà le lapin. Stop là. Tu es un lapin. Zoris, faveur. C'est cuit. Je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions de passer par là, mais... Oh, ça a l'air d'être un petit sentier, ça. Non officiel, hein. Ouais, ouais. Écoutez, on va passer par les montagnes. Je suis en train de mettre dans les meilleurs endroits pour rencontrer des spectres de glace. Je sais pas si c'est super intelligent de ma part, étant donné que on vient d'enfuir deux. Cela dit, une pierre gardienne là-bas. Ici, une grotte. Avec un zéant. Tout le monde ici sait ce qui arrive au zéant qui affronte Zoris. Zoris Maz. Maz, tueur de zéant. Et je suis très confiant sur ce que je dis. Zoris Maz. Maz, du tueur de zéant.
Il est là-bas. On va se le faire. Trop loin. Quand une cible est trop loin, il faut l'appeler. La flèche d'Ouemer, elle fait mal. On va y mettre un petit poison dessus. Histoire de s'en servir, parce que les poisons, très honnêtement, je vais pas m'en servir de ouf. Hein. Enfin... Oh! 85% plus vulnérable aux dégâts de foudre, mais je vais littéralement le fumer s'il résiste pas au poison. Allez, viens là, je t'affronte en face à face. Péris face à ma foudre. Brelinda, Mav, tueuse de Zéan. Bien joué, Brelinda, elle a foudroyé. En ivoire de Horker. C'est très moche. Cela dit, j'ai jamais vu cette hache. 200 balles, je prends orteils de géant. Ils sont beaucoup trop réalistes avec ce mode pack. Ok. Poumon de géant, d'accord. Foie de géant, d'accord. Gemme spirituelle inférieure, d'accord. Ok, bon, bah on l'a fumé, hein, forcément. Il a bouffé le poison. Le poison qui le rend 85% plus vulnérable à la foudre, qui fait déjà pas mal mal. Autant vous dire que... Santé de 20 points, je prends désenchanté, ça. Dégâts d'eau. Ok, on prend, on va désenchanter. Oh, vous avez vu ce que j'ai pris ou pas? Est-ce que... Alors, ça on va prendre. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai pris? J'ai pris le cristal de Méridia, je crois. Par inadvertance, j'ai cru que c'était... Oh non, on va entendre sa vieille voix. Une nouvelle main touche le cristal. Ah. Une nouvelle main touche le cristal. Sors de ma tête! Entends-moi et obéis. Non! D'immondes ténèbres entendent ton temple. Tu dois dissiper ces ténèbres. Rapporte mon cristal, mon primortis. Elle ne me voit pas. Et je ferai de toi l'instrument de ma lumière purificatrice. Non! Oh là là, ce cristal. Une nouvelle main touche le cristal, tellement avec une voix insupportable. Brelinda. Je suis derrière vous. Brelinda, quelle idée. Quelle idée d'être venue ici. Ce n'est pas grave. Passez devant. Nous affronterons notre destin. Mais avant toute chose, rangeons. On va désenchanter un petit peu les 2-3 items qu'on a vus. On a pu récupérer l'épée là avec les dégâts d'eau et l'armure aussi, trop bien. Voilà, ça on garde. L'épée, on connaît déjà. Ok, on connaît déjà cet objet. Bah, cela dit, c'est une épée qui peut se revendre cher, elle est enchantée. Ça manque un petit peu de contenant ici. Hein. Cela dit, j'ai une sacoche, je pourrais remplacer les ingrédients alchimiques qui sont ici dans la sacoche. Bon, on va optimiser un petit peu l'espace. Et tout ça là, ça dégage. C'est quand même pas mal, hein. Alors là, c'est beaucoup de merdier. Allez, allez, allez. On est déjà... on est plus en surpoids. Tout ce qui est foie et tout... ah non, ça va, c'est pas sûr que ça. Ok, on n'est plus en surpoids, ça c'est bien. On va virer, du coup, des bijoux. On a ramassé 3 boucles d'oreilles qui nous servent à rien. Ça. Bouclier, on garde. On a des bouquins à poser. Des bouquins à prendre aussi. Des bouquins à prendre. On va... Alors ça, je vais lire. Les bouquins, on n'en a pas tant que ça. On va les garder. Dès qu'on trouve un petit refuge, on se fera petite séance, pas de lecture, mais en tout cas séance d'apprentissage de livres de sorts, puisqu'on en a 2, je crois, sur nous. Ça se revend. Moi, j'aimerais garder un coffre pour ce qui se revend, tu vois. Hache ivoire, donc ça, on garde.
Les bâtons, ils sont lourds, je m'en sers vraiment pas assez. Ça aurait peut-être pu être une solution pour les spectres de glace, finalement, j'en avais. Hop, je dois avoir du lingot ou des pots qui traînent. Ouais, c'est ça, là, cristal de Méridia. Il est pas mal avec ce modpack, cette espèce d'œuf, là. Une nouvelle main touche le cristal. Oh. Insupportable. La meuf, elle prend... En fait, la meuf te prend tellement au dépourvu à chaque fois qu'on touche ce cristal que elle est relou dans sa manière de nous aborder. Ça en range. Et puis, je pense qu'on est pareil. Je pense qu'on est pas mal. Bah, Brelinda. Brelinda. J'arrive pas à dire son nom correctement. C'est pas Brelinda, c'est Brelina. Brelina. Mave de bâton. C'est vrai qu'elle a un bâton, elle. Ça sert que trop peu, des bâtons. Ce que je voulais faire, c'était mettre... J'oublie. Mettre, du coup, l'espadon à vendre dans un coffre qui, maintenant, est libre pour les items à vendre. Voilà. Et qui n'est absolument pas celui-là. Je fais n'importe quoi. Voilà. Espadon de pluie, ça en revendra. Ça, c'est bon prix. Ensuite, là-dedans, pour le coup, on range l'armure. On garde le bouclier et on peut sortir, s'il vous plaît. Voilà. Sauvegardons. Nous avons réduit cet endroit au silence. Et il y avait quoi dans la caverne? Parce que du coup, ça m'intrigue pour le coup, ça. Résistance au poison. Pour les araignées, ça peut être pas mal, parce que d'après ce que j'ai vu, le poison, avec le modpack, il a l'air vénère. Et c'est où? Ah, ok. Le refuge de Tertral.